Salut tout le monde, c'est Alex le serveur et l'on se retrouve dans notre petite partie de Settlers 2, deuxième mission de la campagne. Et puis on avançait tranquillement, 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 jusqu'à ce qu'on rencontre nos voisins les Nubiens. Et là, va falloir faire quelque chose parce que, bon bah, les soldats arrivent, ils construisent plein de trucs, là je sais pas quoi. Petite armée vite fait, bien fait, je me souviens plus comment se passent exactement les conquêtes d'ailleurs. Ah oui, voilà, il faut les envoyer directement. Ok, bon, on va attendre peut-être d'être un petit peu plus entraîné. On va pas attendre non plus 10 ans d'ailleurs. Il nous faut plus d'or du coup, quand même. Ok, alors je vais juste rappeler des... Non, c'est pas là. Des érudits pour produire un peu plus. Mais je vois que là, par exemple, on n'a pas de nourriture. Donc ça aide pas à produire. Il faut de la nourriture pour produire dans les mines. Il nous faut du charbon aussi dans les mines. J'ai prévu une cabane de pêcheurs en plus, c'est très bien. On a pas de la place pour un petit pêcheur ici? Coin, 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 coin. Coin. Ça, c'est quoi? Tour de garde. Ici, le fournil. Je pose la question. Est-ce que là, on peut pêcher là-dedans? Est-ce qu'il y a des poissons dans ce petit étang? Je sais pas. Bon, écoutez. Hein, si on veut la réponse, il faut tenter. Pif, paf, pouf, voilà, c'est fait. Hop. Alors, ça pioupioute à mort. Est-ce que je remets les musiques ou pas dans cet épisode? À cause de... J'ai perdu des terres à cause... Oula, pas bien, pas gentil. De toute façon, je peux juste construire là, en fait, au final. Il s'est étendu, du coup. Ah oui, là, ça grignote. Sale bête. Et il continue en plus. Mais dépêchez-vous de me construire ça, la tour de garde. Là, qu'est-ce qu'il manque du bois, comme d'habitude? Il manque du bois partout. On a toujours pas de mules, d'ailleurs. Où sont les mules? Alors, ils ont de la flotte, mais ils ont pas de... Pas de blé. Qu'est-ce que tu fous, toi? Il va falloir beaucoup plus de blé. Ah, mais là, j'avais une ferme qui se finissait, justement. Ok, alors pour le bois, j'avais normalement de nouveaux bûcherons par là. Sylviculteur, une scierie. C'est parfait. Faites-moi du bois plus rapidement que ça. Allez, au boulot! Au boulot, au boulot, au boulot. Allez, on éruditionne un peu dans le coin. Ici aussi, tiens. Hop. Parce que là, au final, ça sert à rien. Il y a un jeu que j'aimerais bien vous faire aussi. C'est... Alors, je sais pas pourquoi j'y pense maintenant. C'est Beach Life. Faut que je le trouve. Je vais me le noter. J'ai une petite liste. Ah, vous voulez que je vous lise ma liste d'ailleurs? Tiens. Heroes of Might and Magic 2 et 3, les Sims, Constructor, Settlers 2, je peux le virer de la liste parce que on est en train de jouer. Lettis, Kaisar 3, Game Dev Tycoon, Pizza Syndicate, Age of Empire, Outver, Startopia, Tropico, les Final Fantasy, forcément. Démons émanants, ça je vous en parle à chaque fois. Faut que j'arrive à lancer le jeu. The Movies, pareil, faut que j'arrive à lancer le jeu. Viva Pignata, ce serait bien. Sim Earth, Pharao, Anno, Plague, Zeus, Mysterium. Mysterium, je peux le dire. Je vais rajouter Ticket to Ride, un autre jeu de société. Et là, je vous parlais de, oui, Beach Life. Voilà. Si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas. La liste est longue. Secret of Mana, bien sûr. Secret of Evermore. Bon, la liste est longue comme le pied. Tiens, Utopia sur SNES. C'était sympa aussi. Les Donkey Kong Country 2 et 3. Bon, je vais faire la liste parce que... Hop, allez, on revient ici. Pendant ce temps... Bon, ma ferme... Ah, bien.
Par contre, pas content là, pas content, pas content, pas content. Brrr, colère. Mais regarde, ils construisent déjà! Oh, c'est pas vrai! Et moi, qu'est-ce que je fais pendant ce temps? Que dalle! Où est le bois? Là, que fait ce bois là? Que font ces bûches? Pourquoi elles partent là-bas, les bûches là? Il y a une scierie. L'autre scierie, elle est vide ou quoi? Elle est pas vide en plus, on a pas besoin de bûches comme ça! On veut des planches. Bon. On voit que ça circule déjà pas mal en fait ici. On va être pressé de choper des mules. Ah, c'est bien. Là, on va pouvoir commencer à planter du blé. Là, j'ai peur, hein. S'il fait un autre truc, on va encore se faire bouffer. Quoi ça ressemble ici? Ah, pas mal, on a un bon niveau. On a un bon niveau, allez, on attaque. Plus d'assaillants. Faible ou fort, puissant, allez. On tente. On tente, allez. Un petit centurion là. Donc là, vous voyez, il y en a qui partent. Je sais pas pourquoi il n'y a que deux sur l'ensemble, mais bon, pourquoi pas. Il nous fait quoi là? On sait pas ce que c'est comme bâtiment. Il construit beaucoup trop de trucs là, puis ça avance beaucoup trop vite par rapport à moi. Moi, je suis un petit peu perdu dans... Oh là là là. J'ai mal géré l'approvisionnement en ressources, clairement, au début de la partie. Il faut que je fasse attention sur le scénario suivant. Donc là, il va les frapper à la porte, genre, hey, combat, combat, combat. Et on va les voir un petit peu se taper sur le pif. J'aime beaucoup le décor, n'empêche, avec la petite statue sur le côté, c'est assez élégant. Combat! J'ai l'impression qu'il est assez faible. J'aime bien le petit côté cartoon du combat. Il n'y avait pas de... Et voilà. Il n'y avait pas de son pour ça? Bâtiment ennemi, donc toutes ces constructions, elles sont foutues. Voilà. Donc je récupère en plus 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, j'arrive pas à passer. 1, 2, 3, tant pis. Ok. Bien. On va envoyer des soldats, hein. Il n'y avait pas de son pour ça, je suis assez étonné. Ah oui, j'avais dit que j'allais remettre la musique peut-être. Tac. Fenêtre d'option. Pas autre chose que les pioupiou et pas effet sonore. Alors, la musique en midi. La musique principale. Pam 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 pam. Ah, ça c'est assez sympa. Donc voilà, je vais leur prendre ces trucs un par un, histoire de d'aller jusqu'à la porte en fait. Alors le nombre de... Je crois que ça indique le nombre de personnes qu'il y a dedans. Si c'est plein, à moitié plein ou plutôt vide. Donc là logiquement il y a des soldats qui vont venir en renfort. Parce qu'on est quand même à la frontière. Les voici. Il y en a qui quittent là en fait. Ok, bon. Ils partent de la tour de garde jusque là-bas. Parce que la tour de garde se trouve plus dans l'intérieur maintenant, donc c'est moins important qu'elle soit bien défendue. J'ai un... Ah oui, il est dans la carrière. Ah, on a déjà bien retiré ce qu'il y avait autour. Ici aussi, hein. Bientôt fini d'ailleurs. Pam 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 pam. Granit. On a pas besoin pour l'instant. Bon, le blé, ça va. Encore une autre ferme, ça c'est bien.
Ah. Ouais, ok. Donc on va préconstruire ça directement. Faut quand même apporter du bois autour. Est-ce qu'il y a au moins une mule depuis le début? Non, vous êtes sérieux? Qu'est-ce que vous foutez avec les mules là? En même temps, la porcherie galère tellement. La brasserie. Voilà. Faut beaucoup plus de fermes. Bon, ça, faut aussi que je le note la fois prochaine. C'est beaucoup de fermes. C'est pas assez logique. Combien de gens ici? Ouais, on va retenter ici aussi. Comme ça, on va lui couper carrément son approvisionnement par là. Ça va être pas mal. Bonne technique, hein, les isoler. Pomme. Pomme. Pomme, pomme, pomme. Ah, si, il y a un peu d'effet sonore. Hop. Un, deux, trois, tant pis. Voilà, là on a foutu un petit peu le dallage. C'est quand même pas gentil pour ces pauvres gens qui avaient rien demandé à personne. Mais bon, j'ai pas le choix, c'est le Sano qui me le demande. Ce n'est pas ma faute. Un seul, donc là, ouais, on n'aurait qu'un seul. J'y vais. Je le tente. Ah merde, c'est un faiblard du coup, c'est un de là. Ah mince. Bon, au moins, suspense. Est-ce que j'ai encore des soldats en réserve? On va aller voir ça. Page suivante. 100 personnes. C'est où? Ah, j'ai que des classiques. Mais bon, après, je produis de l'argent, donc normalement, ça devrait faire. Hôtel des monnaies. Ça va, il y a du stock. Donc, plus de charbon, en fait, finalement, que d'or. Parce que le charbon, c'est utilisé un petit peu partout. À la forge aussi. Là, c'est serré, par contre. Ah, on s'est pris des dégâts. Esquive. Ah, bien. Hop là. Bon là c'est... On lui fait quand même pas mal de bobos hein. Comme vous en doutez. Un peu isolé par là. On lui a détruit pas mal de bâtiments. Je sais pas où peut être du coup la... La tour, mais on va continuer à monter par là. On va peut-être attendre qu'il y ait des petits renforts et qu'on ait des sous. Histoire d'avoir des joueurs un peu plus puissants. Il va y avoir la première mule, ça va être un grand moment quand même. The first mule. Ta ta ta. Ils crèvent tous de faim par contre, les mineurs. J'ai fait beaucoup trop de mines et il n'y a pas cette production de bouffe. Elle est où ma boucherie? Bah ouais, elle a pas assez de... Pas assez de cochonou. Parce que le même problème à la base pour tous, c'est mes fermes. Pas assez de fermes. Une petite pièce.
Alors, où est-ce que je pourrais remettre une ferme? Là. Ça pourrait être intéressant en plus, près de ces bâtiments-là. Alors, attends deux secondes. Attends deux secondes. Est-ce que je peux partir de là? Oui! 1, 2, 3, voilà! Hop! Ta-da-da-da-da-doom! Prise d'un bâtiment ennemi, ok. Alors, par contre, musique, ce serait sympa si tu pouvais te changer automatiquement. Ça fait que sur le lecteur de CD en fait le mode aléatoire. Et on va se faire celle-là. Je la connais pas trop. Ah, je peux en envoyer 3. Allez, paf. C'est l'heure du combat, du combat, du combat. Donc des assez, alors un centurion, un costaud et deux moyens, j'ai l'impression. Oui, le petit baraquement, on s'en fiche, on va vraiment tracer tac comme ça. Faisons la guerre, faisons la guerre. Bon, il fait pas évoluer ses soldats en même temps. Peut-être qu'il a pas d'or. Hein. En même temps, voilà. Premier combat. Un peu didacticiel, du coup. Voilà. Les Nubiens sont d'assez mauvais soldats, mais ils possèdent cette maudite catapulte. Ouh, nous devons la détruire. Peut-être réussirons-nous aussi à en trouver les plans. Parce que sinon, il va me... Il va me tirer dessus, c'est très chiant. Je sais pas si là je suis à portée de la catapulte, mais c'est très chiant les catapultes. Je me souviens que j'utilisais beaucoup pour embêter l'adversaire justement. Ah, ça a pas l'air chargé en même temps. Si je prends ça, peut-être qu'elle sera en truc et que du coup on va s'en emparer. Allez. Ouh, c'est plus serré ce combat là. Alors c'est marrant, c'est que du coup les soldats sont noirs, hein, ce sont des Nubiens, mais alors tous les autres personnages sont blancs. Ah voilà, on a pris la catapulte. Ah, la porte est là. Oula. Bon, je sais pas ce qu'on a détruit, mais fuite de gens. La fuite des gens. 2, 1, 2. Bon allez, tant pis, hop. On a des petites fourmis là, c'est terrible. Ah, je fous vraiment la merde. Alors j'ai pas assez de soldats pour lancer un assaut là-dessus. Mais d'autres soldats sont déjà en route. Moi, ouais, j'aurais même pas vu la couleur d'une seule mule hein, sur ce niveau. Bon, prochaine mission, assurer déjà l'approvisionnement en ressources de base, principalement les planches. Parce qu'on est vraiment en retard sur les planches. Même si on réussit un petit peu à rattraper, mais ça a été assez long. Et laborieux. Donc, dès que possible, mettre 4 bûcherons et 2 scieries. Oui, ils sont perdus, les mecs. Hein, ils savent plus du tout aller.
sais pas, je sais pas ce qui se passe. On va tenter. Je sais pas c'est qui va du coup. J'ai vu personne sortir. J'ai pas cliqué. Là j'ai cliqué. Bah alors. Personne se sent d'y aller là? Bon. Enfin. Bateau. On peut faire des bateaux? Je sais quoi. On peut faire des bateaux? On voit les drapeaux sont différents. Est-ce qu'il y avait des routes maritimes dans le jeu? Je me souviens pas. Ah, intéressant. Construire un pont. Ah bah apparemment oui. On peut faire des ponts. On peut faire des ponts. Je vais tester ça. Bah alors là. Je sais pas du tout en quoi c'est différent. Est-ce que ça fait de spécial? Ils y vont quoi avec un petit bateau? Ah bah apparemment oui. J'avais complètement oublié cette feature là. Bon bah c'est bien de s'en rappeler maintenant. Ça va être mignon avec leur petit bateau. Tu me diras c'est plutôt pratique hein, pour les îles comme ça. Bâtiment ennemi donc oui. Nouveau type de bâtiment catapulte. Ah c'est bien. Ah bah je l'ai pris. J'ai même pas vu qui est parti le prendre. Là il reste plus grand chose, ça. Ah bah voilà. Hop. Prends le dernier. Le QG. On va laisser un petit peu leurs autres trucs à côté, ça on s'en fiche. On va laisser s'occuper. Et comme ça on va finir la mission et on va passer à la suite. Je m'en veux de les avoir attaqués alors qu'ils m'ont rien fait, quoi. Et voilà. 8 mois et 27 jours. Nous avons remporté le combat. L'île est à nous. La porte s'est à nouveau activée. Je suis impatient de voir où notre voyage aboutira cette fois. L'inscription est encore latine. C'est pourquoi j'espère qu'elle nous mènera, si ce n'est dans la ville même, au moins sur la route de Rome. Mais tous les chemins mènent à Rome. Vous avez réussi le chapitre 2. Alors, campagne, choisir le chapitre. Mauvaise passe. 2 ans, 2 mois et 17, 11, j'arrive pas à voir. 17 jours, je crois. Nous sommes maintenant forts d'une certaine expérience dans l'art de fonder une colonie viable et prospère. Tout devrait se dérouler comme dans un rêve. Nous avons encore croisé un naufragé et il nous a mis en garde contre les tribus nubiennes très guerrières installées à l'est de l'île. Il y a dans cette région une montagne qui regorgerait d'or. Notre homme n'avait jamais entendu parler d'une porte, mais il ne connaît pas toute l'île. Je note, il a quand même une jupette très courte, un petit canaillou. Ok, alors on se calme tout de suite. Pavillon de chasse, allez tac. Ici. Alors attends. Quatre. Ok. Non. Ah putain. Coucougnette. Exactement ce que je voulais faire. Thank you.
Ok, alors là, un petit pêcheur. Là. Attends deux secondes. Ici, direct cash boom, une ferme. 1, 2. 1. Ah merde. 2, 3 et 4. Hop. Hop là. Si la ferme est là, ce serait bien d'avoir le moulin ici. Hop là. C'est marrant cette musique. Ah, qu'est-ce que je fais? J'ai zoomé sur un lapin. Attends, lapine. Oui, d'ailleurs, c'est pas ça que je voulais faire. 1, 2, 1, 2, 3, c'est pas grave. J'ai plus rien pour construire d'ailleurs sur le côté, là, c'est chiant. Ici. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Vite qu'on s'étende quand même pour agrandir un petit peu là, il n'y a pas beaucoup de terrain viable. Allez, on va faire des mules assez rapidement, plein de fermes, des trucs comme ça. Une scierie, il me faut une scierie. Voilà. Allez, la petite. Moi, je trouve ça fascinant cette petite toile en fait, hein, vraiment cette façon de créer son petit royaume. Je viens de manger, j'ai encore plus faim, tiens. Non, c'était pas des sushis pour une fois, c'était du riz au thon. Alors. Ah, ma salle de garde est lancée. J'aurais pu faire un simple baraquement d'ailleurs, comme on en début de partie, mais bon. J'assure la défense quand même dans le coin. Il faut quand même qu'on soit efficace, donc faut vite s'étendre. 4x, hein. Expansion, extermination. Expansion, extermination. Exploration. Forcément, il m'en manque. Comme d'habitude. Ah, mais ces oiseaux. Je sais pas ce qui est pire entre les oiseaux et la musique en fait. Waouh! La différence que ça fait. Ah, c'est con, c'est que ça retire tous les boutages du jeu. On peut pas juste retirer les piou-piou. C'est vraiment dommage. Donc aussi le petit coup de marteau. Ah,
four. Ah, c'est là. Il est où le four, Fournil. 1, 2 et 3. Bah tiens, ici. Des mioules. Bon, je ne vois pas l'intérêt de me... d'aller vers le sud en même temps, en termes d'expansion. Pas très... pas très utile. Donc, à mon avis, c'est le bas de l'île, donc il n'y a pas grand-chose. On va plutôt s'étendre vraiment vers le nord et l'est, en espérant ne pas tomber tout de suite sur les méchants. Notre meunier est arrivé. Alors, il y a une montagne. Faut qu'on aille vers l'est. À tout prix. Alors, c'est embêtant, c'est qu'on peut rien construire là pour le coup. Comment on va faire? On va voir ça. Ah, le petit soldat doit être en route normalement. Ah non, c'est pas encore fini la construction de la salle de garde. 2-3 coups de marteau encore. Allez, allez, allez. Ah oui, le petit mât avec le drapeau. Allez, allez, allez. Moi, je veux que ça avance, là. Allez, t'y es presque. Il y a une autre montagne aussi, là, en même temps. Hein, donc... on va aller voir sur les deux. Alors. Ouais, on va mettre une salle des gardes. Et une salle des gardes. Un, deux. Et là, attends, je vais peut-être partir de l'autre côté. Né. Là. 1, 2. Fou là là. 1, 2. Ah. 1, 2 et 3. Tant pis. Allez.
Notre petite forêt, c'est là où je vais mettre mes deux autres bûcherons avec Ciri. Cette fois-ci, on ne m'y reprendra plus. Il faudrait voir mettre ici, là, notre ferme. Voilà. Il me faut de l'eau aussi quelque part, donc plein d'érudits ici, on sait jamais. Place pour un petit puits là, ce serait bien. Ou peut-être par là. Qu'est-ce que... Ah. 1, 2, 1, 2, 1 et 2. C'est parfait. Allez, trouvez-moi des trucs là. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Bâtiment occupé, oui. Charbon. Et eau, parfait. Hop là. De l'eau, là, je peux rien faire par contre. Alors... Yippie ! De l'eau ! Dans le coin, du charbon, de l'eau. Alors ici, de l'eau. Ouais, maintenant j'ai mis une ferme là, donc ça va pas. Il me faudra un hôtel des monnaies. Ça va me falloir de l'or aussi. Youpi, plein de trucs. Sauf de la flotte. Ah, c'est de la flotte, hein. Ferme sera là. Oui, ça devrait être bon. Allez. Pire, je passe par là. Hop, voilà. J'aurais pu mettre... Non, mais je pouvais pas. Donc ça va. Pas de regret. C'est bien, ça construit assez vite. Je suis assez content, là. Pas trop leur faire construire trop de trucs pour pas disperser les ressources non plus. Là, on va vraiment se concentrer sur les ressources de base. Ce serait bien d'avoir de l'or, par contre. Qu'est-ce que tu dis, Rourou? Charbon. Charbon ici aussi. On a besoin de beaucoup de charbon, donc on en mettra d'autres, mais... J'aimerais bien avoir d'autres trucs. Là, il m'a fait que 3 champs. Il n'y a pas la place pour d'autres champs. Productivité pas optimale du coup pour ma ferme. Carrément pas optimale. Ça, c'est un peu dommage. Il aurait fallu que je vire mon moulin du coup, je le fasse ailleurs. Un peu déçu. Il y a la place là pour un champ ou là. Je vais bien mettre une autre ferme ici, mais j'espère qu'il y aura de la place pour mettre des champs. Il leur faut tellement de place aux fermes, c'est embêtant. Oui, oui, tout le monde est content, j'ai bien vu, mais on n'a pas de fer, on n'a pas de d'or. Du coup, je vais construire deux fermes et à L2, elles vont avoir une capacité d'une seule ferme en fait au final. Donc, faut vraiment que j'en refasse d'autres encore. Pas content, pas content.
Bon, au moins, vous allez me faire des mules, hein. Ah, d'ailleurs, meunier, tu dors? Le meunier dort, hein, pendant que... qu'on moule le blé. Quel verbe fascinant, le verbe moudre. Alors, notre petit fermier travaille, justement. Musique tranquille. Alors ça c'est pour... Ah oui, c'est la création des outils. Quel genre d'outils on crée en priorité? Forcément pour définir certains métiers par rapport à d'autres. Ah, ça va s'agrandir. Il y a des routes qui sont améliorées. Pas de mules. On n'aura pas de mules tant qu'on n'a pas de... Ouais, la place c'est pas... Quoique... Quoique... Ouais, bon, je vais pas... Ouais, on verra. C'est joli ça. Ouais. Et il trouve rien dans cette montagne ou quoi là? Combien il va me faire de champs lui du coup? Ouais. S'il arrive à en faire deux déjà, ce serait pas mal. Ah! Bon. 1, 2, 1, 2, 3, tant pis. J'ai mal choisi encore. 1, 2, 1, 2, 3. Autre ferme. Une petite forteresse, parce que ça fait du bien. 1, 2, 3. Ok. Pardon, j'étais vulgaire. Tour de garde ici. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Je suis en train de mille là en même temps, donc bon. Des érudits. Alors, ici dans le coin. Une autre série peut-être. Un, deux. Un. Deux. Un, deux. Un, deux. Voilà. Une autre série, voilà. Et voilà.
C'est pas simple d'aménager l'espace parfois dans ce jeu. Alors, mon fermier a fait un champ. C'est rassurant, j'espère qu'il pourra en faire un deuxième. Apparemment oui, vu qu'il ressort. Où est-ce qu'il va le faire, son champ? Allez, au moins 3, ce serait bien. Toujours pas de mules et tellement de ressources en attente, là, juste à la sortie, ici. Du charbon partout, ouais, c'est très cool, mais... Cool, mais ça va pas nous suffire, hein. Il nous faut du fer et de l'or. Alors, il me faudrait peut-être une autre carrière d'ailleurs, si j'ai du granit quelque part, sinon. Ah bah là, il y a de la pierre. Je vais la choper avec la forteresse, du coup. Une série... Alors, on va gagner un petit peu de temps, parce que là, tant que tous les trucs fassent le tour... 1, 2, 1, 2, voilà. Petit raccourci. Ouais, trouver des trucs intéressants et faire des hippies pour rien là. Il reste des animaux sauvages d'ailleurs. Apparemment oui. C'est bon, on a du bon pain. C'est bon comme du bon pain. On a besoin, hein, pour la mine. Bientôt les mines, du coup. J'ai plus de planches stockées. Ah si, il m'en reste 6. Il va quand même falloir en produire beaucoup plus. Vivement que j'ai ma deuxième série et mes autres bûcherons. Ah, il n'y a que du charbon. Ah. Oh, en sous-sol, ouais, bon, tu parles. On a vraiment le temps, hein. J'espère au moins que ma tour de garde sera... Oh, ça va, elle est bien partie. Faut qu'on avance encore, hein. Faut qu'on colonise. C'est toujours le secret. Du fer. Ah, où? Bien. Pas du tout. Et du fer ici aussi. Il faut qu'on avance de l'autre côté. Par là. Chope là, on avance par là. On descend. Yippie.
presque mettre 4 champs du coup. Ah. Je croyais que tout se faire. Ici, une forge, une fonderie. Un et deux. Du granit. Ah, très bien. Et du fer. Ah, intéressant. Un, deux, trois. Et de l'eau, bah de l'eau. De l'eau quoi. Ah, de l'eau de là. De l'eau de là-haut. Et là, une mine de granit, enfin de carrière plutôt. Voilà. Ah, ça y est. La forteresse, c'est parti. Paquet de charbon au début. On va avoir besoin à l'hôtel des monnaies, à la fonderie, tout ça. Pas d'hôtel des monnaies tant que on ne trouve pas l'or. Une petite porcherie. Ah. Et du coup à côté une boucherie. Qui se promènent là. Je pense qu'elles vont toutes à la scierie qui doit être à fond vu que la deuxième n'est pas encore finie. Ah, on a une autre ferme encore. C'est vrai que ça n'a pas de quoi alimenter en mule. Ah bah une mule, tiens, waouh. C'était beaucoup plus rapide que sur la partie précédente. De garde est presque bientôt fini là. On le sait, être rationnel avec les chemins, mais c'est pas toujours évident quand même. Donc ça part un petit peu dans tous les sens. Géomètre qui tasse un petit peu le sol pour les constructions là-bas. La forteresse aussi avance bien. Allez, laissez-nous. Ah, la tour de garde. Laissez-nous nous agrandir. Je regarde où je vais pouvoir mettre un atelier.
Allez, la tour de garde, là, les petits bandits, là, les petits soldats, ils sont où? Bon, la mule, faut que ça accélère, là. On a d'autres endroits à privilégier. Tac, 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 tac. J'ai qu'à côté. Voilà. Où est-ce qu'il est, mon soldat? J'ai ça aussi à créer des armes. Ah, le voilà. Il est là. Tant de choses à faire. En si peu de temps. Allez, petit soldat. Où est cette montagne d'or après? Carte. Ah, ça a l'air un peu plus grand que... Ouais, c'est plus grand que la carte dernière. C'est merveilleux. Voilà, je sens que la forteresse soit faite pour voir comment ça va s'agrandir. C'est vrai que je remette un juste là si ça s'agrandit un peu plus. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est tout de suite remettre une carrière ici. Là, du coup, je me tâte à mettre peut-être un entrepôt. Entrepôt, allez. Alors, une fonderie quand même. Enfin, pas une fonderie, une fonderie, j'en ai déjà une. Oui, elle est là. Un atelier d'armes, tout ça. Allez, soyez pas timides, les gens. Prenez vos places. Les mules, pareil. Prenez vos places. Petit poisson qui se promène là. Pour les mineurs. Peut-être attendre que la forteresse soit habitée, puis on arrêtera l'épisode. Je pense que depuis 30 minutes. Voilà. De toute façon, on a bientôt fini l'épisode. Ça a fait. Presque une heure, hein, 59 minutes, pardon, et 31 secondes. Le mec, c'est plus calculé. Place pour un quatrième, là, quand même, champ. Ah, apparemment, oui. Ah, là, s'il y en a 4. Et là, s'il y en a 4, c'est bien. Soyez productifs, messieurs les fermiers. Déjà en train de récolter, c'est pas possible. Ah bah si, apparemment c'est possible. Dis-moi que tu restes en ressources. Est-ce que j'ai je perds de planches en réserve hein? Non, plus de planches. Un peu de pierre encore.
Ouais, Siri elle est pas à 100%. Et l'autre Siri. Ah! Elle l'est. Peut-être une question de temps pour l'autre, qu'elle soit bien approvisionnée en. En bûche! Entrons! Entrons dans l'histoire. Il y a un petit explorateur là. Observateur plus précisément. Allez, où est le soldat? Il ne doit pas être très loin vu que le constructeur repart juste là. Alors, bah, je vais en profiter quand même pour vous dire que vous pouvez bien sûr cliquer sur la description de la vidéo pour voir tous les let's play que je fais en ce moment. Il y aura des liens vers chaque let's play, une trentaine différents. Donc, allez jeter un oeil, vous allez forcément trouver un jeu qui vous plaît ou qui va vous plaire. Peut-être que vous ne connaissez pas et vous voulez vous tourner vers ces joyeuses pépites. Vraiment, je ne peux que vous conseiller des sites comme Good Old Games, GOG, sur lequel on peut trouver vraiment plein de très bons jeux rétro, et même sur Steam, il y a pas mal de très bons jeux de l'époque. Moi, ça me fait vraiment plaisir de ressortir ces jeux. Vous pouvez bien sûr laisser un pouce bleu aussi, si ça vous fait plaisir, si ça vous plaît. Et commentez, bien sûr, je suis là aussi pour vous répondre. Si vous avez aussi des suggestions pour agrandir ma longue liste de let's play, je suis tout à fait preneur. Donc pour un lien direct vers ma chaîne, sinon c'est le petit mélo fait en bas à droite de la vidéo, donc tout par là, encore plus à droite dans la bande noire. Voilà, le petit mélo fait. Merci à tous en tout cas de me suivre après plus d'un an, ça me fait vraiment plaisir. Alors attention, ça va dépoter. Allez! Wouah! Dépotage, ouais. Juste un, deux, tac, drapeau, et paf, érudit. Et observateur aussi un petit peu. Voilà, on va s'arrêter là, on va voir pour rencontrer un petit peu nos charmants voisins qui vont nous embêter. On va essayer de choper de l'or dans les montagnes, on verra, on viendra le trouver. Et puis, ma foi, on va croiser les doigts pour que ça se passe aussi bien que pour la mission précédente. Allez, à bientôt. Salut.